Qu'est-ce qui définit l'identité numérique? Ben, c'est ce qu'on va dire de nous. Prénom, nom, pseudo, avatar identifiant, courriel, les photos, les vidéos publiées, les commentaires laissés sur des sites web, des blogs, des forums, les sites web personnels, les CV en ligne, bref, toute l'information qui provient de nous et qu'on accepte de livrer sur Internet. Autre volet, ce que les autres disent de nous. Commentaires, les opinions, les photos numériques et numérisées. J'ai ajouté numérisées parce que une photo imprimée peut être aussi numérisée puis renvoyée sur Internet. Les anecdotes, puis l'effet de chaîne sur les murs et puis la réplication, pardon, des billets.